que le budget en exécution se présente comme suit. Budget de fonctionnement, 1 424 239 155 francs CFA. Et budget d'investissement, 1 308 883 233 francs CFA. La surprise était au paroxysme, chers journalistes. À faire l'étude comparée du budget voté en novembre 2015 et celui en exécution à la date d'aujourd'hui, il révèle clairement que entre l'adoption du budget par le conseil communal et l'approbation par le préfet, il y a eu manipulation des chiffres. Et donc, l'introduction de nouvelles rubriques de dépenses, telles que les coûts de vacances, le fait de fichier unique qui coûte 21 millions. Le fichier unique, en réalité, c'est un logiciel de gestion. Est-ce qu'un logiciel de gestion peut coûter 21 millions au 21e siècle? On a introduit dedans, alors que le budget qu'on a voté ne comportait pas cette rubrique. Chaque population de Boïko, il y a faux en écriture publique. Au sommet de notre collectivité territoriale, décelée par vos hommes serviteurs que nous sommes, Norbert Guédezoumé, Elisabeth Agosaga et Sylvestre Atoyinbo. C'est pourquoi nous tenons à alerter l'opinion communale et nationale et informer la population de Boïko avant d'engager la procédure indiquée dans de pareilles situations.